L'accord de Paris sur le climat a permis l'engagement concret de tous les pays signataires à lutter contre la hausse de la température par l'intermédiaire de contributions déterminées au niveau national. Cependant, force est de constater que l'ensemble de ces contributions pour lesquelles les pays signataires se sont engagés jusqu'ici n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs fixés dans l'accord. Partant du principe de la responsabilité partagée mais différenciée, J'invite les pays signataires à prendre leurs responsabilités pour que les efforts et les moyens nécessaires soient mobilisés afin d'inverser la tendance actuelle car les pays les plus vulnérables sont souvent ceux qui subissent le plus les effets du changement climatique. Responsable d'au moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, Madagascar subit pourtant de plein fouet les conséquences du changement climatique comme les cyclones tropicaux plus nombreux et plus violents, la sécheresse, l'inondation, les troubles de calendrier agricole. Mais conscient de sa responsabilité, Madagascar démontre aujourd'hui une volonté politique ferme dans cet effort collectif de mobilisation contre le changement climatique. Dans ce cadre, Madagascar poursuit sans relâche les efforts de préservation et de conservation de la biodiversité, des ressources naturelles et environnementales existantes. Tout en s'engageant à la mise en œuvre d'un programme ambitieux et audacieux de réforestation d'une superficie d'au moins 200 000 hectares en cinq ans, à raison d'au moins 20 millions d'arbres plantés chaque année, et ce pour que Madagascar redevienne ce qu'elle était l'île verte. Il convient de signaler les conséquences multiples du changement climatique dans le sud du pays et la volonté politique affirmée du gouvernement pour y apporter des réponses structurantes et ambitieuses.